Salut tout le monde les gars, c'est RNS Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Je vous représente mon 450 LTR parce qu'en fait il y en a beaucoup. J'ai une petite question, il y en a qui me disent que c'est le quad à Proctor. Donc je vais mettre en titre quad à Proctor. Est-ce que c'est vraiment, parce que je sais qu'elle en a possédé un qui était exactement pareil sauf le bumper avant qui a été changé je crois ou entre temps. Dites-moi les gars, il avait les ailes coupées et tout, il avait le même truc protapeur et tout. Donc dites-moi les gars, est-ce que c'est vraiment son quad? Et Proctor, si tu passes par là, c'est pas pour faire des vues sur ta gueule, hein. Moi je suis pas comme ça, on s'en fout, on est là juste pour partager la passion. Donc si c'est ton quad, j'aimerais bien que tu me dises si c'est le tien. Juste parce que j'aurais 2-3 petites questions à te poser. Parce qu'en fait, avant moi, celui qui me l'a vendu, il m'a dit que tu étais le propriétaire du quad. Donc en gros, ce serait pas toi qui m'aurais vendu directement à moi, sinon je l'aurais su. Mais c'est un autre mec à qui tu l'as vendu, qui me l'a vendu. Donc je veux juste savoir si c'est en quad. Du coup, si quelqu'un peut lui envoyer ou je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais pas sur le quad et que j'aimerais bien apprendre. Donc c'est juste dans le but là, c'est vraiment pas pour faire des vues. Donc c'est pour ça les gars, je vous présente un peu en général le quad. De toute façon, j'ai déjà fait une présentation sur ma chaîne. Et le quad de devant, il est comme ça. Donc il était plus ou moins, quand je regarde les vidéos à Proctor, parce que je les regarde, je suis abonné à sa chaîne et c'est plus ou moins la même chose. Donc dites-moi dans les commentaires les gars, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Bye tout le monde.